Namasté. Bienvenue dans cette courte séquence de yoga. Je vais vous montrer un enchaînement que j'aime bien faire. Vous pouvez le faire le matin, moi j'aime bien le faire le matin. Ou alors, vous pourrez utiliser cette vidéo comme bon vous semble. Je vous invite à venir à l'avant de votre tapis, vous tenir bien droit, les épaules resserrées vers l'arrière, les pieds bien ancrés dans le sol. Vous pouvez relever les orteils et déposer un orteil après l'autre sur le sol. Rentrez légèrement le bassin, grandissez-vous, le menton reste parallèle au sol et étirez les doigts vers le sol. Vous allez inspirer et souffler, venir fermer les yeux. On prend un instant pour se centrer, pour préparer son corps et son esprit à cette courte séquence de yoga. Respirez profondément à l'inspiration, votre ventre se gonfle. Et à l'expiration, votre ventre se resserre. Vous ressentez votre énergie circuler librement dans votre corps. Vous faites le calme dans votre esprit, dans votre corps. Vous ressentez vos pieds ancrés dans le sol. Votre colonne étirée vers le ciel. Vous allez prendre une grande inspiration et souffler par la bouche ouverte. Encore deux fois, inspirez. Une dernière fois, inspirez. Resserrez les épaules vers l'arrière. Position de Samasthitini. Nous allons faire la Surya Namaskara A. Inspirez, levez les mains vers le ciel. Poussez le bassin vers l'avant. Soufflez, penchez-vous en avant. Le dos le plus plat possible pour arriver en pince debout. Uttanasana posée. Les mains au sol. Pliez les jambes. Regardez votre nombril. Inspirez, redressez la tête. Soufflez, posez les mains au sol et sautez ou marchez en arrière pour venir en planche et descendre les coudes près du corps. Inspirez, glissez vers l'avant, cobra, regardez le plafond, soufflez, posture du chien, tête en bas, Dukhasanasana. Poussez bien vos épaules vers vos orteils, le coccyx vers le plafond, essayez de rentrer vos talons dans le sol, le poids du corps est sur le pouce et sur l'index. Inspirez. Soufflez, pliez les genoux, regardez vos mains à l'avant du tapis et sautez ou marchez en avant. Inspirez, redressez le dos plat, soufflez, relâchez la tête, relâchez le haut du corps. Inspirez, étirez les bras loin devant, relevez, Uttanasana, essoufflez, redescendez, Samasthitini. On repart, inspirez, levez les mains vers le ciel, poussez le bassin vers l'avant, soufflez, penchez-vous en avant, le dos plat, venez. Posez les mains au sol, regardez votre nombril, inspirez, redressez le dos, regardez devant vous, soufflez, posez les mains au sol et sautez ou marchez en arrière en planche et descendez au sol, inspirez, glissez vers l'avant, cobra, soufflez, basculez en chien, tête en bas, respirez, poussez les épaules vers les orteils, aplatissez votre dos, respirez, inspirez. Et soufflez, pliez les genoux, regardez entre vos mains et sautez ou marchez en avant. Inspirez, redressez le dos plat, soufflez, relâchez le haut du corps. Inspirez, étirez les bras loin devant, relevez les mains vers le ciel. Uttanasana, poussez le bassin vers l'avant et soufflez, revenez en position de départ. Prenez un instant de respiration, faites les mouvements que votre corps vous demande si vous le souhaitez. Et nous allons enchaîner avec la salutation au soleil B qui commence par la posture de la chaise. Inspirez, grandissez-vous, ancrez-vous dans le sol, soufflez. Inspirez, pliez les genoux, passez les mains au sol et redressez-vous en chaise, les bras vers les oreilles, soufflez, basculez vers l'avant. Regardez votre nombril, Uttanasana, redressez-vous, inspirez. Redressez-vous de moitié, soufflez, posez les mains au sol et sautez ou marchez en arrière et
corps. Chaturanga Dandasana. Inspirez, glissez vers l'avant. Uddiyana Mukhasanasana. Soufflez. Posture de chien, tête en bas. Ici, vous allez inspirer, chien à trois pattes. Avec la jambe droite vers le ciel. Et soufflez, amenez votre pied droit à l'avant entre vos mains. Ouvrez légèrement votre pied gauche et venez en posture de guerrier 1. Le genou droit est au-dessus de la cheville. La jambe gauche étendue, inspirez. Soufflez, ramenez les mains au sol. Reculez les deux pieds à l'arrière en planche et descendez au sol. Inspirez, glissez vers l'avant, cobra. Soufflez, repoussez le sol, venez en chien, tête en bas. Inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel et soufflez, amenez votre pied gauche entre vos mains et ouvrez votre pied droit légèrement ouvert à 45 degrés. Levez les bras, les épaules bien basses. Vous êtes en posture de guerrier. Poussez bien votre genou vers l'extérieur. Le genou gauche est au-dessus de la cheville vers l'extérieur. La jambe droite étendue, inspirez. Et soufflez, redescendez les mains au sol. Reculez la jambe gauche pour venir en planche. Soufflez, descendez au sol, inspirez. Glissez vers l'avant, cobra, soufflez. Chien, tête en bas. Et on reste ici. 5 respirations. Poussez bien le coccyx vers le plafond. Aplatissez votre dos. Laissez couler votre cœur vers vos orteils. Rentrez les talons le plus possible dans le sol, quitte à plier légèrement les genoux. Expirez, pliez les genoux complètement, regardez entre vos mains et sautez ou marchez en avant. Inspirez, redressez-vous de moitié, soufflez, relâchez les mains vers le sol. Inspirez, pliez les jambes, faites glisser vos mains au sol pour vous redresser en chaise. Et soufflez, revenez en posture de Samasthiti. On prend une respiration. Pour les salutations au soleil, on va s'arrêter là. Vous pouvez les faire autant de fois que vous voulez si vous voulez faire une séance un peu plus longue. Si vous voulez recommencer, vous pouvez même mettre pause sur la vidéo pour reprendre la suite après. Les épaules vers l'arrière. Inspirez, ouvrez les bras sur le côté. Montez les mains vers le ciel et soufflez. Penchez-vous en avant. Venez amener les mains au sol. Pliez les genoux, regardez votre nombril. Inspirez, redressez le dos plat. Et soufflez, relâchez la tête, relâchez le haut du corps. Inspirez, tendez les deux jambes et pliez la jambe droite pour déhancher. Mettez la main droite sur la cheville droite, le bras gauche vers le ciel. Et soufflez, remontez vers le plafond par le bras gauche. Inspirez, et soufflez, ouvrez le bras. Inspirez, ouvrez les bras sur le côté. Soufflez, penchez-vous en avant, tel un signe qui plonge en avant. Inspirez, redressez-vous, demi-pince debout. Soufflez, relâchez la tête, relâchez le haut du corps. Inspirez, tendez les jambes et pliez la jambe gauche. Mettez la main gauche sur la cheville droite et ouvrez le bras droit vers le ciel. Inspirez et soufflez, laissez-vous remonter par le bras droit et ouvrez votre bras droit pour redescendre. On va enchaîner avec des guerriers. Inspirez, reculez la jambe gauche loin derrière. Le pied gauche est parallèle au petit bord du tapis. Le pied droit est pointé vers l'avant du tapis. Le genou droit au-dessus de la cheville droite. Et poussez vers l'extérieur. Inspirez. Ouvrez les bras à l'horizontale. Posture du guerrier 2. Inspirez. Soufflez. Penchez-vous vers l'avant. Grand angle latéral. Inspirez. Soufflez. Revenez les bras à l'horizontale. Inspirez. Soufflez. Penchez-vous en guerrier pacifique. Main droite vers le ciel. Soufflez, revenez, les bras à l'horizontale, inspirez et soufflez, revenez à l'avant du tapis. On va faire la même chose de l'autre côté, inspirez et soufflez, reculez la jambe droite loin derrière. Le genou gauche est plié au-dessus de la cheville, inspirez, ouvrez les épaules. Les bras à l'horizontale, les épaules basses, tournez vers votre droite. Regardez votre main gauche d'un regard paisible et doux. Inspirez et soufflez. Penchez-vous vers l'avant. Posez votre coude gauche sur votre genou gauche. Et étirez votre main droite. Inspirez. Soufflez. Revenez. Posture du guerrier 2. Inspirez. Soufflez. Basculez dans l'autre sens. Guerrier pacifique. La main gauche vers le ciel. Inspirez. Et soufflez.
l'avant du tapis. On va passer au sol. Pomme de main vers l'avant, inspirez. Soufflez, amenez les mains en prière au niveau du cœur. Inspirez, ouvrez les mains, laissez-les tomber vers le bas. Et ouvrez-les sur le côté pour aller jusqu'au plafond. Et soufflez, plongez en avant les bras sur le côté. Inspirez, redressez-vous le dos plat. Soufflez, posez les mains au sol. Et cette fois-ci, reculez les deux pieds directement en planche. Inspirez. Et soufflez, repoussez le sol avec vos épaules. Venez entrer vos pieds dans le sol. En chien, tête en bas. Inspirez. Et soufflez, repassez en planche. Reculez légèrement vos pieds pour avoir vos épaules au-dessus de vos poignets et votre bassin au même niveau que les épaules. Ni trop en haut, ni trop en bas. Ici, vous inspirez et vous soufflez. Repoussez le sol avec vos épaules pour venir en chien tête en bas. Inspirez et soufflez, repassez en planche une dernière fois. Reculez légèrement vos pieds pour être bien aligné. Inspirez et soufflez, repoussez le sol. Venez vous placer en chien tête en bas. Inspirez et soufflez, vous allez venir en planche. Reculez les orteils, soufflez, descendez en chaturanga. Si vous voulez, vous pouvez poser les genoux au sol. Inspirez, cobra, soufflez, chien tête en bas. Inspirez, on va lever la jambe droite vers le ciel. Et vous allez venir ouvrir la hanche droite et laisser plier le genou droit pour laisser tomber le pied droit à l'extérieur. Derrière votre jambe gauche, inspirez, essoufflez, étirez la jambe vers le ciel et venez amener votre tibia sur le sol, le genou droit vers le côté droit du tapis et le talon gauche et le talon droit vers la hanche gauche. Ici, vous inspirez, repoussez le sol, éloignez vos épaules de vos oreilles, essoufflez, penchez-vous en avant, venez mettre votre front sur vos mains. Restez ici. Trois respirations. C'est la posture de la colombe. Votre hanche, c'est un exercice qui va étirer votre hanche, assouplir vos hanches. Troisième respiration. Redressez-vous. Prenez appui sur vos mains, prenez appui sur vos orteils à gauche et poussez pour venir en chien tête en bas. Inspirez, levez la jambe gauche, cette fois-ci vers le ciel, chien à trois pattes, et soufflez, ouvrez la hanche gauche, laissez plier le genou par-dessus la jambe droite. Inspirez, essoufflez, tendez la jambe vers le plafond, et soufflez, ramenez le tibia au sol, reculez la jambe droite, le genou gauche est vers le côté gauche du tapis, le talon gauche est en face de la hanche droite. Ici, vous repoussez le sol, les épaules bien basses, loin des oreilles. Et vous allez venir vous allonger sur le sol. Vous posez votre front sur vos mains. Si c'est trop difficile, vous pouvez mettre les poings l'un au-dessus de l'autre. Respiration. Inspirez. Essoufflez, redressez-vous. On repousse le sol avec ses mains, retournez les orteils à droite et poussez pour venir en chien tête en bas. Repoussez le sol, inspirez. Essoufflez, venez poser une jambe au sol, croisez l'autre derrière et venir vous asseoir. Ici, vous inspirez, ouvrez les bras vers le ciel et soufflez, penchez-vous en avant. Venez attraper vos genoux, vos tibias, vos chevilles ou vos orteils. Si vous voulez même aller encore plus loin, vous pouvez venir attraper votre poignet de l'autre côté. Je n'en suis pas encore là. Inspirez,
et soufflez, relâchez la tête. Inspirez, soufflez, pliez la jambe droite. Inspirez, tendez la jambe droite, soufflez, pliez la jambe gauche. Inspirez, tendez la jambe gauche et restez ici, soufflez. Inspirez et soufflez, redressez-vous. Vous allez venir mettre les plantes de pied l'une contre l'autre. Vous allez grandir votre dos et venir ici. Appuyez avec vos coudes. Vous pouvez déplacer vos mains au niveau de vos chevilles pour aplatir un peu plus vos genoux vers le sol. Respirez. Inspirez. Et soufflez, relâchez. On va venir s'allonger sur le dos. Ici, vous allez venir replier vos genoux sur votre poitrine. Inspirez. Essoufflez, gardez la jambe droite dans la main, dans les mains, et venez écraser votre genou gauche sur le sol. Activez bien vos orteils. Inspirez. Soufflez, ramenez les deux jambes. Ramenez la jambe gauche pour avoir les deux jambes sur le buste. Et changez. Attrapez votre main, votre genou gauche. Et tendez votre jambe droite sur le sol. Écrasez votre genou droit sur le sol. Activez bien vos orteils. Respirez. Inspirez. Essoufflez, ramenez le genou sur la poitrine, sur le thorax. Inspirez. Essoufflez, venez attraper l'extérieur de vos pieds pour venir en bébé heureux. Respirez. Inspirez. Essoufflez, relâchez. Ici, vous allez venir laisser tomber vos genoux sur la gauche, les deux épaules au sol. Et vous allez venir soit étirer avec votre main gauche la cuisse droite ou venir poser les mains au sol à l'horizontale. Inspirez. Essoufflez, ramenez les genoux au-dessus de la poitrine, du thorax. Inspirez. Essoufflez, laissez tomber les genoux sur la droite. Regardez sur votre gauche. Les bras soit à l'horizontale, soit vous venez ici appuyer sur votre jambe gauche pour majorer l'étirement. Respirez, inspirez. Soufflez, ramenez les genoux au-dessus du thorax. Et vous allez pouvoir vous allonger sur votre tapis. Deux petites minutes pour vous relâcher. Respirez profondément. Ressentez vos mains qui sont appuyées contre le sol, contre le tapis. Elles deviennent lourdes, complètement relâchées. Vous sentez les différents points d'appui au sol. Vos talons s'ancrent dans le sol également. Vos muscles se détendent, se relâchent comme s'ils voulaient couler vers la terre. Vous laissez votre corps se régénérer. C'est un temps très important dans la pratique du yoga et du sport en général. Il est important de laisser son corps se reposer. Profitez de cet instant pour vous concentrer sur votre respiration et sur la détente de tout votre corps. Thank you.
commencez à bouger vos doigts, bouger vos orteils. Et soufflez la bouche ouverte. Vous pouvez venir vous étirer ou faire les mouvements que votre corps vous demande. Et vous allez venir vous tourner sur votre côté droit. Vous vous mettez en position fœtale. Recourbez les genoux vers votre buste, vos coudes sur le côté et vous respirez profondément. Vous êtes en sécurité, vous vous sentez bien. Inspirez et vous allez pouvoir vous redresser et venir vous asseoir. Je vous invite à prendre une dernière respiration. Vous allez pouvoir venir mettre les mains en prière au niveau du cœur si vous le souhaitez. Inspirez les yeux fermés et soufflez la bouche ouverte. Inspirez, amenez vos mains au niveau du front pour rendre nos pensées saines et bienveillantes. Inspirez et soufflez, amenez vos mains au niveau de vos lèvres pour rendre vos paroles saine et bienveillante. Inspirez, amenez vos pouces, vos mains au niveau du cœur pour rendre vos émotions saines et bienveillantes. Prenez une dernière grande inspiration et vous pourrez ouvrir les yeux avec le sourire. J'espère que cette séance vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma page, à liker ou à laisser des commentaires.